Et salut à tous! Alors voici une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc ce sera ma toute première vidéo consacrée à l'univers film, série, télé. Voilà. Donc là, sans plus tarder, je vais vous faire une petite présentation de tous mes films d'épouvante que j'ai en ma possession. Je vous montrerai aussi une pop que j'ai achetée par rapport à un film d'épouvante et je vais vous parler de mes séries préférées. Donc d'abord, je vais vous montrer tous mes films d'épouvante. Donc je commence tout de suite. Donc Gothica, voici le premier film. Ensuite Blair Witch 2, donc vous voyez très bien le livre des ombres. Ensuite Véronica, donc c'est l'un des tout derniers films d'épouvante qui est sorti. Voilà, Véronica. Ensuite Mother. Voilà, Mother. Ensuite, Insidious, le dernier de la saga. Ensuite, Flatliners, l'expérience interdite. Voilà. Ensuite, L'exorcisme d'Emily Rose. The Overs. Paranormal Activity 4. Paranormal Activity 2. Paranormal Activity 1. L'exorciste. Le projet Blair Witch. Le 1. Ensuite, I Wish. Le cercle The Ring, le remake, pas l'ancienne version. Et le tout dernier film, c'est Silent Hill. Voici. Donc voilà mes films d'épouvante. Faut savoir qu'en fait, dans mes autres vidéos films, séries télé, je vais pas tout vous montrer ma collection en un coup. Parce que c'est pas intéressant. Je vais vous montrer une catégorie, on va dire, de films par semaine, quand je parle pas de séries télé ou inversement ou bien les deux, et pareil pour les séries télé par la suite. Donc voilà, là je vais juste vous déboxer la pop que j'ai, donc c'est Regan dans L'Exorciste. Elle est magnifique, donc je la déboxe et je vous la montre. Et je vais garder l'emballage parce que je garde tous les emballages de toutes mes Funko Pop au passage. Ça, je jette. Et voici la pop de Regan. Elle est juste magnifique. Elle est super belle, super bien détaillée. Voilà. Je vous parlerai dans une autre vidéo de mes films préférés d'épouvante, etc. Ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais c'est vrai que L'Exorciste, c'est l'un de mes films d'épouvante préférés, hein, au passage. Et la pop, elle est magnifique. Elle est super bien détaillée. Moi je pensais que en fait le prix aurait été plus cher parce que vous voyez très bien 14,99€. Je pensais que ça aurait été une top exclusive, pardon, parce qu'on voit que au niveau de la boîte c'est décoré et tout, et elle est tellement détaillée qu'elle aurait pu être une top exclusive, mais c'est pas le cas, ce qui est super intéressant pour le coup. Voilà. Donc en fait là je vais vous dire mes séries préférées. Donc il n'y a pas un top 3, hein, enfin c'est un peu aléatoire. Donc en fait, la première série, c'est Supernatural. Ensuite, j'aime bien aussi la série Vampire Diaries, la série Ghost Whisperer. Et si je dois dire ma quatrième série préférée, c'est en quatrième Walking Dead. Je dirais que c'est vraiment mon carré entre guillemets de séries préférées. Bon, après j'en ai d'autres, hein, mais je vous en dirai un peu plus lors d'une prochaine vidéo. Alors voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette première vidéo consacrée film, série, télé sur ma chaîne vous aura plu. Voilà, faut savoir que chaque semaine, je vais essayer sur ma chaîne YouTube de faire deux vidéos Harry Potter et une seule vidéo
films, séries télé, tout simplement parce que je veux plus privilégier l'univers HP. C'est pour ça que je fonctionne comme ça. Je vais juste essayer de tenir ce rythme de vidéo si je le peux. Si je ne le peux pas parce que j'ai on va dire des contraintes, etc., ou des imprévus, etc., j'essaierai au moins de mettre une vidéo HP par semaine et au moins de mettre une vie au moins de mettre la vidéo film série télé par semaine. Si j'ai pas le temps d'en faire une par semaine de film série télé, ce sera peut-être toutes les 2-3 semaines, je ne sais pas encore, mais je vais essayer vraiment de tenir le rythme de 2 vidéos HP par semaine et d'une vidéo série film par semaine. Et à savoir que là, pour cette semaine, c'est la première. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, si vous aimez bien les films, les séries télé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que je vais parler de ça aussi sur cette chaîne en plus de parler de l'univers HP. Voilà, posez-moi vos questions dans les commentaires si vous en avez. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ça n'a pas été le cas et si vous êtes intéressé par l'univers film, série télé par exemple. Voilà, donc moi, je vous retrouve à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao!